Salut à tous, Salamet, c'est qui? C'est Pepe Junior. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Uncharted 4. Je suis sorti. Avec toi, en Italie. Moi non plus. Cela dit, j'aurais préféré que ce soit dans des circonstances plus agréables. C'est sûr. La vue est plus sympa de ce côté. Oh. Mais c'est pas la première fois que tu viens ici, alors? Non, ça doit faire la troisième fois. Pour des petits boulots à chaque fois. Avec Sullivan. Et aussi, on s'était arrêté au chapitre 6. Au chapitre 6. On fait attention aux trésors. Hein. On les connaît, les petits trésors. Vas-y, on joue au chat perché ou... Je veux voir si... Je regarde quand même aux alentours s'il n'y a pas des petits trésors. Hein. Parce que je sais pas, on les connaît ceux qui ont écrit Uncharted. D'ailleurs, Uncharted 4 a été créé en 2016. Pour l'homme dans ce pull trésor. Je sais pas pourquoi, mais il y a sûrement un trésor caché. Hein. Je vois pas comment on peut monter sur ce pont. Même pas. Sur ce pont. Voilà. Et bah, tout simplement en sautant là-bas. Oh! Regarde, il y a bien cette poutre là en dessous. Tu peux l'atteindre avec la corde? C'est à moi que tu poses la question. Vise un peu ça. Je ne fais que ça. Attends, parce que. Là aussi on peut y aller. Là aussi on peut y aller, donc je sais pas trop. Bref, on va suivre. Bon bah. C'est raté. Bah, tu vois, tout est dans le poignet. Allez, vas-y, essaie. Tu vois? Ouais, pas mal. Pour une seconde, ton tête. Ok, donc quand il... Ok, c'est bon, j'ai compris. Wow, un vrai pro! C'est ton tour! Un vrai pro, je dirais pas ça non plus, hein. Un vrai pro, moi je me dirais pas ça non plus, mais. Eh, hey, je parie qu'on peut se balancer sur la poutre là-haut. C'est sûr. Mince. Wow. J'ai même pas vu ça. Ok, c'est parti. Du premier coup. Arrête un peu de te la raconter. Hein, comment il a fait? Allez, Nathan. À mon avis, si tu descends, tu seras beaucoup mieux placé. C'est bon, j'arrive. Mais comment? Mais je vois pas où il est passé, en fait. Ah, là-bas! Ah, là-bas, il y a une corde, en fait. J'ai pas vu ça. Hein. Vas-y. Ok. Vas-y, Pépé, je t'en prie, passe. Ouais, donc là, on est en pleine action, là, donc forcément que je parle pas. Alors, franchement, on a vraiment pas trouvé de trésor depuis le début du jeu. Oh. Bene lista. Hey, hai scommesso sulla partita? Inghilterra vincente. Inghilterra? Traditore. Ehi, non confondere l'orgoglio nazionale con la realtà. Ok, c'est bon. J'ai rien compris. Il est armé jusqu'aux dents, cette fois. On aurait dû prendre des flingues. On va gérer ça tout en douceur. On n'en aura même pas besoin. J'espère que t'as raison. Il est gigantesque. Oh, toutes ces années. Ce jardin, il est gigantesque. C'est une chose qui m'a le plus manqué. Comme quoi? L'odeur d'un citron frais. Faire de la moto, par exemple, ce sont des petites choses, mais ça change tout. Il n'y a rien. Ok. Je suis tombé sur cette maison par hasard. Même pas fait exprès de tomber ici, mais bon. Qu'il y a quelque chose à faire, je regarde quand même s'il n'y a pas d'autres trucs. Pas l'air. Ça devrait tenir.
falloir se balancer. Allez, on descend maintenant. Fais toujours attention quand même. Wow. Je me souvenais pas que les atterrissages étaient aussi raides. Ouais, m'en parle pas. Alors, ça m'angoisse de pas trouver le trésor, vraiment. Celle que j'ai manqué. Est-ce qu'on m'a tapé des photos? Wow. Ah, vas-y, tu te fiches de moi, là? Je viens de monter. J'aurais bien voulu. Elena avait des vidéos, mais la caméra a pas survécu. C'est dommage, ça. J'ai quelques dessins, quand même. Dès qu'on rentre, je te les montre. Comment ça, t'as des dessins? Wow. Montés sur le frigo? Quoi? Mais non, ils sont super beaux. J'ai trop hâte. Franchement, j'avais pas vu le paysage, mais il est magnifique. Je sais pas si ça s'est vu, mais j'avais envie de dire magnifique, hein. Pas très envie de descendre. Je pense qu'on doit monter par là. Tu sais où il faut aller, Sam, là? Parce que moi, personnellement... Ah, faut sûrement monter sur ça, là. Voilà. Je savais... Alors... Que faut-il faire? Je pensais pas qu'il pourrait monter là. Ok, on va devoir sauter et s'accrocher. Wow. Ok, donc je sais où il faut aller, mais je regarde juste s'il n'y a pas de trésor, parce que ici il aurait pu y avoir un trésor. Je sais qu'il faut aller là-bas. Un truc en dessous, on fait toujours attention. Hein. Ah, par là, ça a l'air pas mal. Ça a l'air carrément dangereux, tu veux dire. Oh, bah, dans la vie, Sam, il faut être un aventurier, hein. Wow. Tout va bien là-haut? Alors, je tiens à vous dire que j'ai déjà joué à ce jeu, mais j'ai pas été jusque-là, hein. Je vous préviens. Il y a Pépèche aussi qui est là. Hein. Faut pas oublier, hein. Il n'y a rien. Là, faut comprendre la logique. Hein. Là, on vient de là. T'as pas intérêt à rater ton coup, là. Ouais, ouais, je sais. Ah, là-bas. Mais je rate jamais. Moi, bon, j'attends qu'il redescende la corde, là. Waouh. Merci. Ah, vous restez appuyé sur Alain. Ok. Ça y est, merci. Ouah, c'est là. Nathan ? C'est là. Nathan ? Mais quoi ? Oh. Ok. Ça va? Ouais. De quoi j'ai l'air? D'un mec qui va gagner 400 millions. Allez, viens. Vas-y, je suis juste derrière toi. Sully? Tu sais ce que j'aime dans les fêtes organisées chez les escrocs? Dis-moi. Tout le monde s'en fiche que tu fumes à l'intérieur. Ça fait un bail. Ah, oh, trop longtemps, mon gars. Tu te souviens de mon frère, le Maccabée? Victor. C'est pas croyable. 15 longues années. Ouais. Content de te voir en vie, Sam. Essayons de le garder en vie en récupérant cette croix, ok? Ouais. À ce propos. Quoi? Comment ça, à ce propos? Mais j'ai un truc à vous montrer. Regardez.
C'est la Croix d'Avry. Ah, ils l'ont sorti à peine quelques minutes avant votre arrivée. Ils ont dû changer l'ordre des lots. Il faut un sacré paquet de fric pour faire ça. Combien de temps il reste avant le début des enchères? 10 ou 15 minutes, Maxi. Il y a forcément un moyen de la récupérer. Le seul petit problème, c'est qu'on a une centaine de témoins, c'est tout. Ok, ok. On a juste besoin d'une diversion. Genre, j'en sais rien du tout. Mais il doit bien y avoir un truc. Si jamais les gardes nous voient en train de piquer la croix. C'est ça la solution? C'est dingue. On dirait que vous êtes jamais allé en prison. Si jamais vous voulez faire un sale coup en tôle, il faut attendre qu'il fasse noir. Ouais. Faut trouver le tableau électrique de ce manoir. Ventilation. Électricité. C'est là, regardez. Il nous suffit de grimper là-haut, de couper la lumière. Et de prendre la croix dans le noir. Il y aura forcément un générateur de secours. Ouais, ce qui veut dire qu'on n'aura que quelques secondes pour faire ce qu'on doit faire. Faudra donc qu'on soit juste à côté de la croix quand la lumière va s'éteindre. Sauf que si on s'approche trop près, on va se faire remarquer. Scusate, signore. Antipasti? Ça va, merci. Salut. Comment ça va? Ciao. T'arrêtes tes conneries. Un serveur se ferait pas remarquer. Ouais, ça devrait marcher. Il faut que ça marche. On fait ça. Alors, je vais jusqu'au disjoncteur pour couper le courant. Moi, je fais le serveur. T'es le meilleur pickpocket. Toi, tu descends et tu gardes un œil sur la croix, d'accord? Et fais-nous signe si tu vois quoi que ce soit d'inquiétant. T'inquiète, je le ferai. Écoutez, on a encore une chance d'y arriver. On y va? On y va. Allez, suivez-moi. On va couper par la cave. On suit Sully. On te suit, hein. Victor, je dois dire que les années glissent sur toi. Parce que je suis devenu végétarien. Excusez-moi. Ouais, un petit trésor. Ça fait plaisir. Tu fais quoi? Je réfléchis à notre stratégie de repli. Ça risque d'être tendu. Des stress. On a réussi des cases bien plus compliquées. Ouais, je sais, je sais. J'essaie juste de pas trop penser à ce qu'ils feront si on se fait choper. Tu sais, si ça tourne mal, on sera mort avant même qu'ils nous attrapent. C'est fou ce que c'est rassurant. C'est sûr. Ah oui, excusez-moi, j'étais en plein délire. Ouais. Ouais, donc là, bah en fait, il y a une petite stratégie. Oh. Oh, c'est mort, je dis pas ça. Eh, c'est mort, je dis pas ça, c'est la Bible, ce truc. On sort de la grande galerie. Il est où, Sully? Il est là, c'est lui, Sully. La cave se trouve ici. Allons-y. C'est Sully. Oh, quel luxe. C'est évidemment ce qui passe à la techno européenne à deux balles. Venez, Spiace. Pépé, j'ai trouvé un petit trésor. C'est parti. Merde, c'est fermé. Et pourtant, c'était ouvert tout à l'heure. Bon, et alors? On peut la forcer? Non, c'est électronique. Va falloir trouver un autre moyen. T'as vu ça? Poche arrière gauche. Ouais. Je m'en charge. Oh là, oh là, oh là, oh là. T'es sûr de vouloir faire ça? Il y a beaucoup de témoins potentiels. T'inquiète, j'en suis pas à ma première fois. Ok. Alors, je crois que je dois suivre ce type. Sur des roulettes. J'ai même pas encore essayé. Mais ça se voit.
Non, vas-y, ça saoule là. Et ouais, moi je suis ingénieux, moi je suis ingénieux. Ok. Allez, on va réessayer. On va avoir besoin de ça. Ok. Parfait. C'est quoi ? Des oreillettes. Bonne chance. On reste en contact. Oh, c'est celle dans The Lost Bonjour, Legacy. Victor. Bonjour Nadine. C'est celle dans The Lost Legacy. C'est un plaisir de te revoir. Seulement cette fois, c'est moi qui ai l'avantage. Eh ben, heureusement qu'il s'agit pas d'un vrai pistolet. J'ai du mal à te reconnaître sans t'entrailler. Ouais, tu connais la musique. De temps à autre, pour une mission, on n'a pas le choix. Faut se pomponner. D'ailleurs, tu es très élégant. Je te renvoie le compliment. Je me sens pas dans mon élément. Je te raconte pas le soulagement de tomber sur quelqu'un qui parle ma langue. Même si on n'est pas du même pays. Ça, j'y suis pour rien, faut voir avec mes parents. Je vais aller me chercher un verre. Je te rapporte quelque chose ? Oui, un whisky. On the rocks. Je reviens vite. Nate ? T'as entendu tout ça ? Ouais. On dirait bien qu'une dame veut te payer un verre. Ah oui, mais c'est pas n'importe qui, cette dame. C'est Nadine Ross. Nadine Ross ? C'est la même Nadine qui a une armée de mercenaires ? Coastline, c'est ça ? Shoreline. Ah ouais, voilà. T'as pas eu un souci avec eux ? Ah, ça c'est peu dire. Mais heureusement, elle a pas l'air de m'en avoir tenu rigueur. Voilà, je suis prêt. Ok. Ça y est, on est prêt à y aller. Essaie de ne pas t'attirer d'ennui. Oh, je vais essayer. On y va ? Ouais, c'est parti. Il va falloir qu'on trouve où crèchent les serveurs et les traiteurs. On devrait pouvoir en faire sortir un de la cuisine. Ok, alors direction la cuisine. Eh ben, il y a assez de bouffe ici pour nourrir tout un village. On entend des voix, hein. On entend parler. Merde. Tu vois un serveur là ? Non, que des gorilles, mais jusqu'aux dents. Je sens qu'on va devoir se battre. Je vois des petites taches rouges au sol, ça me rassure pas très. Hein. N'apparaissait pas sur le plan. Oh, yes, un deuxième trésor. Je suis dans le game. Bon, passons au plan B. Elle est fermée, je te l'ai dit. Je voulais juste vérifier. Et... Eh ben, c'est fermé. Ouais. C'est ce que je t'ai dit, quoi. C'est fermé. Oui, bah j'ai vérifié, quoi. Oh. Je crois que c'est vraiment ça, ma vie, quoi. Il y a des conduits d'aération. Oh. Je sens qu'il y a un truc à faire avec la porte. On peut pas. Ouais. Moi je repensais. Nous y voilà. Wow. Que la lumière soit. Et la lumière ne perdura pas. T'aurais pas une lampe sur. Ça fera l'affaire. C'est toujours une bonne idée d'avoir un fumeur avec soi. Enfin, sauf s'il faut courir. Oh, toutes ces vapeurs là. Ça commence à me monter à la tête.
Heureusement, c'est celui qui conduit. Je sais pas où sommes-nous. Peut-être ses conduits est peut-être caché par ses tonneaux. Non, on peut pas. C'est voilà. Plein de millésimes très rares. Ouais, peut-être qu'Alcazar se contentera de quelques bonnes bouteilles. Quelque chose me dit que ça suffira pas. C'est pas un peu inquiétant que Victor drague Nadine Ross? Tu sais, il y a des histoires flippantes qui courent sur elle et ses hommes. N'inquiète pas pour Sully. Elle peut sortir de n'importe quelle situation. Bien joué. Je comprends rien, en fait. C'est bon, là? Ouais, tu te fous de moi, là? Je vois rien, mec, il allume. Non, on regarde un peu... autour. Là où d'où on vient. C'est là où d'où on vient. Comme ça, je vais pouvoir passer et voilà. C'est bon. J'ai réussi ce que je voulais faire. On va quand même vérifier. Bon. J'allais dire, on va quand même vérifier la zone, mais en fait, on va rien vérifier du tout. Vu qu'il n'y a rien d'autre. Par là. Je sais où il faut aller, hein, mais. Je regarde un peu. Hé, hey, c'est conduit d'aération. Voilà notre sortie. Où? Ouais, faut trouver un truc pour grimper. Ah bah ça c'est bien, c'est à la hauteur ça. On doit d'abord tirer le truc là-bas, j'ai déjà trouvé ce qu'il faut faire. Bah ça en fait on peut pas. Bah c'est moi j'ai trouvé. Pas très dur mais... Ouais, j'ai compris. Surtout que personne ne vienne m'aider. Je tiens le briquet. Je tiens le briquet. Ce qu'il ne faut pas entendre. Bouge. Mais bouge. On vérifie toujours. Attends, ça brille pas, ça? C'est bizarre. Je sais pas pourquoi, mais ça sent les araignées. Ça sent les bon. Araignées, quand même. Allez, on grimpe. Et voilà. Alors. Ah, c'est plus serré que ce que je pensais. Et plus sale, aussi. Cosa portiamo a quell'odioso miliardario tedesco? Ah, quello con il parrucchino e quella roba sul naso? Portali a sciacquature dei piatti. Tanto non capire. Questa gente meriterebbe un calcio nel culo, altro che. Questa gente. E andiamo. Le mec m'a poussé quoi, il a aucun respect. Ah ouais, ah, je suis complètement aveugle. Okay. Ok, bah on va monter hein. Mais
tout seul. Di contenuto, ok? Wow! Dove diavolo si procurano tutta questa roba? Sono pezzi rubati ai ricettatori. Oh, enfin, le bon air frais. Not smoking! Eh, viens voir ça. Tu vois le bâtiment avec la tour radio. Smoking, là. Tu veux dire la tour de relais? La quoi? Peu importe, c'est le local électrique. Ouais, t'as raison. Faut qu'on trouve un moyen de passer cette porte. Ah bah super! De l'escalade! Quoi de bon? Quoi de bon pour commencer une journée? De l'escalade! Enfin, pour terminer une journée. Ah bah c'est bien. Ça, porte échelle. Je vais t'aider à monter. Vas-y. Allez. Heureusement que tu t'entretiens. Oh, vas-y là, descends l'échelle. Allez. Merci. Ce jeu est vraiment trop fun. On vient de sortir de la cave, on se dirige vers le local électrique. Ce jeu est trop trop fun. Célé, t'es là? Il doit avoir du mal à capter là où il est. J'espère qu'il va bien. Il est parti où? J'ai trouvé la cuisine. Qui est cool, bien mais. Bien sûr, elle est fermée. Regarde autour quand même, hein. On peut toujours trouver des petits trésors par-ci par-là. Alors, qu'est-ce que fait Mémé Junior? Ça, on se le pose tous comme question. Vous voyez pas ce que je vois actuellement, mais Mémé Junior est très bizarre. Vas-y mon gars, tu peux pas ouvrir ça là? Il faut passer par où? Oh là! Sam, regarde. On ah, super. Peut-être utiliser ça, trouver une fenêtre et entrer dans la cuisine. Ah, bonne idée. Je t'aide à grimper là-haut et toi, tu t'occupes de l'échelle. Allez. C'est bon. Assomme-le. Buonasera. Ma che sta facendo? Vas-y, mollo avec les civils, Sam. Quoi? Il va se réveiller en quel but avec la migraine? Ça nous est déjà arrivé, non? C'est vrai. Bon, j'ai fait mon taf. Fais le tien. Ok. Ok, direction le local électrique. Alors, ok. Sam, tout va bien? Ça va, c'est juste que ce pantalon est un peu trop serré. Ah, c'est la mode, qu'est-ce que tu veux? Sérieux? Mais je peux plus respirer. Ah, bah c'est sûr qu'on est plus à l'aise en tenue de tôlard. Bon, retourne à la salle de bal, gros malin. Sam, t'es là? Sam? Sam? Je le savais. Celui? Super. Désolé si vous m'entendez mâchouiller, hein. Attendez deux secondes. C'est parce que j'ai très faim. Enfin, très faim, j'abuse, mais... On va devoir monter sur ça. Ouais. Eh ben voilà, comme sur des roulettes. Exactement. Seulement 200 mètres de hauteur. Rien à faire. En vrai, j'ai pas trop compris pourquoi ils sont venus là. Ok. Attention à pas te faire électrocuter, hein. C'était quoi ça? C'était obligé. Wow. Les gars, si vous m'entendez,
Je suis plus très loin du local électrique. J'y serai bientôt. Exact. Tout va bien. Bref. Je sens que quand on va être près du local électricité, là, je sais pas trop quoi. Et bah je pense que genre soit il y aura des mecs, soit il y aura des mecs après quand je vais vouloir m'enfuir. Donc je sais pas trop quoi. C'est une blague. Il faut aller où? Mais je viens de là, non? Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh non, le boulet! Je suis vraiment trop naze. Pourquoi je suis retourné en arrière, moi? Je sais pas trop où il faut aller. Hein. Heureusement qu'on peut remonter, quoi. Ouais, faut sûrement faire le chimpanzé jeter de toit en toit. C'était ça. Ok, franchement. Ah, je sais pas. Parce qu'il y a plein de chemins en fait. Il y a plein de chemins. Bon, en fait, les deux marchés. On va vérifier. Rien. Rien aux alentours. Ok. On saute. Alors. C'est une blague. D'où je suis mort là? Eh. Déjà, tu vas te calmer, Drake. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Hein. Voilà, merci quoi. Oh merde! C'était quand même un peu osé de votre part. Pas qu'un peu. Non, on a quand même été mis en prison pendant plus d'un mois. Et qu'est-ce qui est arrivé au cheval? Eh ben, heureusement, on avait prévu tout un tas de carottes à bord. T'as vu quelqu'un que tu connais? Non. Je l'ai cru un instant, mais non. Alors quand est-ce que tu vas enfin me présenter ton fameux partenaire, Drake? En fait, c'est mon ex-partenaire. Mmh. Non, ça fait un petit moment que je roule en solo maintenant. Drake est hors circuit. Oh. Alors, il est mort? Non, disons qu'il a pris sa retraite. Mmh. Aux dernières nouvelles, il était rangé, il venait de se marier. Mmh. Dans ce cas, c'est un peu comme s'il était mort, non? Victor Sullivan. Ravi de te revoir. Ouais. Ça fait un sacré bail. 10 ans, peut-être. 12? Non, 15. Incroyable. Le temps ne cesse de s'écouler. Et nous, on est toujours là à s'accrocher à toutes ces vieilles choses. Vraiment? Ah oui, je sais qui c'est, en fait. Il me semblait que tu avais repris l'affaire de tes parents. C'est mon affaire, maintenant. Mais oui, tu as très bonne mémoire. Ah, tu dois te toucher un salaire de ministre. Tu pourrais certainement te permettre d'acheter tous les lots en vente ce soir. Oui, certainement. Mais ça n'aurait aucun intérêt. Aujourd'hui, tout ce que je cherche sont les bonnes affaires. Rafler le gros lot. Tu as une idée de ce que je devrais acheter ce soir? Ouais, ce serait me tirer une balle dans le pied. Cela dit, ça reste entre nous, mais j'ai remarqué qu'ils avaient modifié l'ordre des lots. C'est drôle, j'ai l'impression que quelqu'un essaie de faire capoter cette vente aux enchères. N'oublions pas où on se trouve. Tous ces gens ne sont pas devenus riches en étant nés. Ce qui explique pourquoi il est si important de ne jamais venir seul dans ce genre d'endroit. Eh ben, je suis désolé de briser tous tes élans, mais tu travailles pour un Américain. Avec. On est partenaire sur ce coup-là. Je vois. Oh, quel charmant petit couple. Dans quelques instants, nous commencerons les enchères sur notre prochain lot. Un crucifix en bois, un crucifix qui aura appartenu à la famille. Bon.
Comme j'ai pas envie de tenir la chandelle, je vous souhaite une bonne soirée tous les deux. Attends un peu, Sully. Comment t'as entendu parler de ça? Ça? Et de quel ça tu parles, Rafe? Nadine, je crois que ton partenaire a bu un peu trop de Bloody Mary. Arrête tes conneries, je débris. Je sais pas comment t'as fait pour t'incruster ici, mais si t'es là seulement pour enchérir sur la croix d'Avry, alors là je peux déjà te dire comment tu vas t'en aller. Ce sera le kiffant. Eh bien, on s'est compris, je crois. Ravi de vous avoir revu. Ce serait bien s'il aurait fait un petit carré, là. Nate. C'est pas vrai, petit, mais qu'est-ce que tu fous encore? Ok. Le fameux local. Ok. Ouais, donc, après cette petite animation... Fantastoche, là. Tu meurs pas, là. Je sais pas s'il y a un trésor en bas. Bon, on va pas les voir. Si tu mais meurs... Pourquoi j'ai choisi le local électrique? Ah, il fallait pas faire ça. D'accord, très bien. Il ne fallait pas faire ça. Ah, je revois le slow en plus. Et franchement... Mais pourquoi j'ai choisi le local électrique? Voilà. Ah, j'avais pas vu là-bas. Et regardez ses mains, il y a ses veines de... Alors, où faut-il aller ? Pro, il s'est pas accroché. Et vas-y, Pro, il s'est pas accroché. Je suis où là? Wow, j'étais un peu perdu là. Ah, c'était pas là. Et Pépé, j'ai trouvé deux trésors. J'ai trouvé deux trésors. Ou alors, ouais, je suis dans un con. Je suis dans un conduit là. Nickel. Trop bien, ouais. Ouais. Oh oh. Y a quelqu'un. Je suis juste un peu dégoûté parce que pendant ce temps-là, moi, je faisais un petit barbecue et j'ai vu rien du tout des niveaux. Mais bon, je regarderai le let's play. J'espère que Pépé Junior aura parlé et ne sera pas resté muet comme une perche en bureau. Bah non, je parlais, hein. Eh, hey, ils appellent qui, là? Je viens de là, en fait. Je suis pas très doué, moi, hein. Franchement. Hein. Je dis ça franchement, hein, honnêtement. Honnêtement, je suis pas très doué. Hein. Je sais même plus d'où je viens. Je sais même plus d'où je viens, vraiment. Et mon gars, c'est flippant. C'est flippant. Moi, jamais de la vie, je fais ça. Hein. Jamais de ma vie. Oh, c'est bon. Jamais de ma vie, moi, je fais ce genre. Oh. Oh. Tu veux pas partir, là? Bon. Où est-ce qu'ils sont, ces disjoncteurs?
Là. C'est le disjoncteur, non? Là. Ils sont là. Il faut trouver un moyen d'entrer. Hein. Ah, c'est pas vrai. Sam, Sully, vous êtes là? Oh, de Dieu, petit, mais t'étais passé où? J'ai eu un peu de mal. J'ai bien failli me faire griller plusieurs fois. Ouais, bah si tu veux toujours couper le courant, c'est le moment ou jamais. Ok, mais il va me falloir une minute pour atteindre le disjoncteur. Malheureusement, on n'a pas une minute. Rafe est sur le point de repartir avec la croix. Attends, quoi? Rafe? Rafe est dans la salle? Oui, Rafe est dans la salle. Et pendant qu'on discute, c'est lui qui a la plus grosse enchère. Renchérie, t'as pas le choix. Et avec quoi? J'ai pas un rond sur moi. Sully, on le vole ce truc, t'as oublié? Et s'il renchérit pas sur mon offre? Oh, il le fera pas. Nous avons 90 000. Quelqu'un veut-il encore enchérir? Les gars, si on récupère pas cette croix, j'aurai déjà un pied dans la tombe. Seulement si je me retrouve avec la meilleure enchère, on aura tous un pied dans la tombe. Sully, il faut absolument que tu gagnes un peu de temps. Fais-moi confiance. 90 000 une fois, deux fois. Alors, allons-y. Bene. Nous avons à présent 100 000 euros dans la salle. Grazie. Quelqu'un veut-il encore enchérir? Nous avons désormais la somme de 110 000 euros dans la salle. Je vais pas m'arrêter en si bon chemin. Nous en sommes à... Fais pas. On sera dehors en moins de deux. Allez, ben vaudrait mieux. Okay. Alors, je sais pas où il faut aller. J'ai juste à casser le verrou. Mais avec quoi? L'enchère atteint désormais 130 000 euros. Non. Nous sommes maintenant à 140 000. Rien du tout. Avec votre enchère, monsieur, nous passons à 150 000 euros pour ce lot. Il va y avoir quelque chose. Allez. Eh, frangin, ça commence à être vraiment chaud, Paris. Nous atteignons maintenant la somme de 160 000 euros dans la salle. Oui. Il a trouvé un pied de biche. Monsieur nous propose maintenant 160 000. Je suis devant le disjoncteur. Vous êtes prêts? Oui, plus que jamais. Victor? Attends une seconde. Ce monsieur propose maintenant pour ce lot la somme de 200 000 euros. 500 000 euros! On en finisse pour de bon. Merci. Nous avons maintenant la somme de 500 000 euros dans la salle. Monsieur souhaite-t-il enchérir à nouveau? Tu m'as fait peur pendant quelques secondes, Victor. J'ai cru que j'allais devoir te tuer. Ok. Gâchons la soirée de ce petit enfoiré. Quelqu'un d'autre? 500 000 une fois? 500 000 deux fois? Adjugé vendu au monsieur à ma gauche pour 500 000... Mesdames et messieurs, veuillez garder votre calme. Le générateur de secours va prendre le relais. Elle est plus là! Sbarrate tutte le uscite! Nessuno deve lasciare la vita! Poussez-vous, allez, dégagez de là! Arrêtez-le! Hey! Arrêtez cet homme! Ferme! Qu'est-ce que vous foutez? Le laissez pas partir! Vous avez pas! Sparisci! Très bien. Sam, dis-moi que t'as la croix. J'ai Saint-Dismas avec moi, tu veux lui dire bonjour? Je sais pas si je continue là. Ouais, on va s'arrêter là, je pense. Donc j'espère que ce let's play vous aura plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager, à activer la cloche. C'était Pépé Junior. Et ciao.